Ça, alors, je voulais faire un petit atelier encore soin des cheveux. Moi, je n'ai jamais eu des cheveux aussi longs, alors du coup, je ne savais pas comment faire. Des conseils, si j'ai eu des bons conseils, non, pas trop. Je pense j'ai dû explorer ça moi-même. Ouais. Alors là, elles sont maintenant fraîchement lavées. C'était dans la baignoire assis et c'est une baignoire sabot. Hein. Et je découvre l'avantage d'une baignoire sabot, hein, parce que dans une autre, on est couché, ouais, et on est moins, on va dire, actif. Hein. Quand on est assis comme ça. Devant soi, il y a le. J'ai un plateau, hein, où j'ai tout ce qu'il faut pour se laver. Hein. Le shampoing, un truc un peu nourrissant, c'est en cas de besoin, c'est pas toujours nécessaire. Mais souvent, j'avais remarqué que j'ai bien aimé les cheveux après 2 ou 3 jours. Hein. C'était mieux parce qu'il y a le sébum naturel qui rentre dans les cheveux et j'ai trouvé que les cheveux, ils avaient une brillance un peu meilleure. Dans la baignoire, après, ouais, moi j'ai tout fait avec ça c'est un truc au carbone, hein, c'est assez rigide, j'aime bien. Et on passe comme ça après, oui, c'est même avec le shampoing et tout. Parce que là, on est sûr que, surtout quand on a des cheveux un peu épais, ah bah, ça suffit pas mettre juste un peu le shampoing et pff, comme ça. Hein. C'est mieux comme ça. Ouais. C'est une brosse classique comme je connaissais avant. Ah. Ce qui est chiant à un moment ou autre, il y a toujours le truc là qui sort hein, quand il a un nœud et on tire. Mais bon, ça veut dire aussi que le soin des cheveux n'était pas optimal. Hein. Qu'est-ce que je reproche à celui-là? Ou non, je reproche rien. Tu es très bien. Bravo. C'est ça que quelqu'un m'avait offert. Hein, c'est pendant son déménagement, elle dit, ah tiens, oui, bon. Alors, je me dis, ah tiens, c'est quoi ça? Hein? Elle était un peu bizarre. Hein? Là, il y a des tiges en PVC. Hein? Et à l'intérieur, il y a les Wildschweinbossen. Hein? C'est les poils des sangliers. Ouais. Les poils de sanglier, ils ont une capacité de, quand il y a une graisse, parce qu'elle sort toujours de la tête, hein, la graisse, hein, et après, quand on le brosse, ouais, là autour, ça s'accroche la graisse et on l'étale vers le bas. Ouais. Alors, on met un sébum fabriqué maison. Hein. Ça, c'est. Il n'y a pas de mieux normalement. Hein. Si on est en bonne santé, hein. Quand on est en état maladie, je suis pas sûr. Hein. Mais quand on manque de quelque chose, moi je dis, tiens, allez, ça c'est les Marocains utilisent souvent l'huile d'argan, mais il n'y a pas que l'huile d'argan qui fonctionne. Hein. C'est une question de goût et oui, et là il y a une noix qu'on met dans la paume des mains. Hein? Et après, quand elles sont encore légèrement humides, c'est le meilleur moment de le mettre. Hein, ouais, alors, on fait un peu comme ça. Hein? Et là, je préfère de pas utiliser un sèche-cheveux hein, parce que un sèche-cheveux, c'est. C'est un stress hein, pour les cheveux, je pense. Hein. Et après, ils volent un peu partout et on peut plus le tenter. Hein. Et le fait qu'on aime bien de garder le contrôle, on essaie de tenter.
Même si ce n'est pas un thème courant pour un homme de parler des cheveux, hein, c'est parce que bon, pourcentage, il n'a pas autant de. La mode pour les hommes, c'est un peu mitigé presque maintenant. Je vois de plus en plus des gens avec avec des cheveux longs. Hein. À l'époque, de toute manière. Quand on regarde, ils avaient tous des cheveux longs. Alors, le soin des cheveux a certainement aussi chez les hommes une certaine tradition. Alors, ah oui, je voulais montrer encore quelque chose parce que ça c'est également une brosse avec des Wildschweinborsten. Hein, et là, après, quand on a utilisé. Hein, il reste les cheveux. Hein. Après, pour le sortir, ça c'est pour moi, il faut le faire vraiment systématique après. Hein, parce que sinon, si on ne le fait pas, elle est vite dégueulasse. Hein, et on n'a plus envie de l'utiliser. Hein. C'est aussi un objet qu'on partage. Pas avec tout le monde, hein. Avec son chéri, oui, on peut. Hein. C'est comme le bisou, hein. Ça sert aussi à ça. On fait un échange et on partage les mêmes bactéries, microbes, machin. Du coup, on a la même immunité aussi. Hein. Au niveau de la culture du pain, hein, parce que bon, moi je viens d'Allemagne et en Allemagne on avait toujours eu des piscines beaucoup beaucoup plus hein, qu'en France. Hein. Vraiment il y a des trucs chouettes. Hein. Longtemps avant cette culture voilà, de baignade. Hein, ben, ça a été très cultivé en Allemagne. À Strasbourg, on a le boulevard de la Victoire. Il y a aussi des thermes là. Il y avait certainement aussi des soins qu'on pouvait faire. Hein, parce que un bain, pour moi, c'est pas tous les jours. Hein, c'est une fois par semaine hein, et pas plus. Parce que il faut avoir le temps après, quand on ne veut pas sécher les cheveux, hein, alors on reste à l'intérieur, on ne sort pas avec les cheveux mouillés, hein, parce que sinon, ça, surtout en hiver, on attrape beaucoup, beaucoup plus facilement un rhume ou une grippe ou quelque chose, ou du Covid. Hein, alors, quand on fait un travail plus salissant, bon. Manière en général c'est attaché comme ça ouais. Et là dans cet état-là c'est même encore mieux parce que la poussière prend moins hein. C'est que comme avec des cheveux courts hein. Alors des cheveux longs attachés sont pour moi dans un environnement poussiéreux mieux hein. Après hein, on a quand même une couche de saleté qui peut tomber et ouais, s'il faut les laver après toujours ou pas reste à voir qu'est-ce que c'était comme saleté hein. Est-ce que c'était une poussière de merde ou par exemple même dehors de l'argile ouais, là il y a des champs un peu partout. En été, avec le vent, oui, on prend un peu de cette argile. Hein. Mais une argile, c'est même un soin. Hein. Je pense qu'il ne faut pas les laver tous les jours. Hein. C'est pas nécessaire. Au contraire, parce qu'après, il faut le re-re-nourrir. Hein. Si on a déjà des bonnes. Je ne veux plus utiliser le terme. Saleté, hein, parce que c'est des bonnes particules qui traînent. Hein. Alors, qu'est-ce que ça peut être des bonnes particules qui traînent?
Bon, c'est pas le truc de Sahara, là, hein, c'est le truc rouge, hein, parce que sinon on a des cheveux en couleur henna. Alors, cheveux, on va dire, j'ai plus ou moins tout dit ce que je voulais dire. Au niveau de. Qu'est-ce que je pourrais rajouter qui colle encore avec le thème, hein? Baignade? Oui, pourquoi pas. C'est un peu dans le thème. Quand on va dans des termes, hein? En Allemagne, on a un Bad Bergzabern, par exemple, il y a des termes que je trouve, moi personnellement, assez sympa. C'est pas trop cher. Hein, c'est 20, 25 euros, on a pour 4 heures ou quelque chose. Et il y a déjà, au niveau des. En bas, il y a une piscine avec deux bassins extérieurs. C'est rien de extra, extra maintenant, mais c'est surtout parce qu'un bain, une des bains extérieurs, malheureusement, ils l'ont rénové. Et je râle toujours un peu. Hein, c'est. D'office, je suis râleur. Hein, il y avait des beaux carreaux couleur piscine. Hein, les couleurs piscine, c'est différentes couleurs bleues. Ça va du bleu foncé, bleu clair, jusqu'à presque blanc. Des mosaïques, hein, c'est quand on a une bassine qui est faite avec ces mosaïques. Quand on regarde, de trouver des émaux. Hein, c'est là, une bassine et peut-être encore un rayon de soleil qui rentre. Waouh, c'est l'eau. Elle a un éclat. C'est magnifique. Hein, c'est clair. Là, maintenant, malheureusement, il n'y avait pas des émaux là-bas. Mais il y avait des petites grottes pour les amoureux, des choses comme ça. C'était quand même assez sympa, hein. Et là aujourd'hui ils ont remplacé par du inox, hein. C'est ni pas de fuite, pas d'entretien hygiénique et tout ce qu'on peut dire, hein. Il y a toujours au moins 10% de vérité là-dedans, non 40. Et la couleur, elle est triste. Inox, ça avale la lumière et il n'y a aucun reflet. Hein, c'est comme. Ouais, ça dépend vraiment de la surface de réflexion. Hein, mon grand-père, hein, il était spécialiste pour des piscines. Il a eu au salon deux seaux avec des carreaux qu'il voulait pour une certaine piscine, hein, qu'il a construit, une à Heidelberg et une à Ettlingen. C'est lui-même qui a fait le choix des carreaux, hein, parce qu'il n'avait pas des certificats de frostfrei et Abriebfestigkeit und all diese Dinge, die man da eben beachten muss. Hein. Et après, pourquoi il a mis dans l'eau, c'est il l'a mis au congélateur et il a regardé, tiens, comment ils réagissent les carreaux quand ils ont absorbé de l'humidité. Hein? Et après, quand il y a le gel qui arrive et l'humidité n'a pas eu le temps de s'évacuer, ça grandit, hein, ça prend plus de place et c'est là où effectivement, ça on n'a pas avec l'inox, hein, on est plus tranquille. Hein? Mais. Faire maintenant quelque chose en inox, même si on n'aime pas, uniquement pour être tranquille, c'est pour moi, c'est pas le bon choix. Hein. Un jour, on peut coller de nouveau des émaux. Hein. Ouais. Les Marocains, ils ont aussi une sacrée culture de sauna et hammam et. C'est bien pour nettoyer un peu
comme on dit, le truc respiratoire, là, hein, machin, là, die Lunge, ne? Die Atemwege. Et là, par exemple, tout à l'heure, je me suis rappelé que, parce que bon, moi je fume, et je sais, c'est pas top, 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 hein, mais malheureusement, ça me plaît, hein, c'est un problème. Alors, j'avais acheté un tabac, je crois que je l'avais trouvé en Allemagne, à Kiel, et elle m'a montré un tabac. Je crois que je vais le chercher. Hop. Là là. Ah, à côté, c'est 25 degrés, c'est agréable. Parce que à 18, on reste pas aussi longtemps. Hein. Là, je fais quelque chose, mais c'est quand on doit travailler plus longtemps avec un ordinateur, c'est je trouve ça un peu too just. Hein. Alors, c'est ça. Et c'est pas du tabac. Hein. Ça ressemble à du thé. Hein. Et ça sent plutôt bon. Elle s'appelle comment? Real Leaf 100% naturel, ni plus nicotine free. Wir haben trotzdem das Etikett. Rauchen dieses Produkts schädigt Ihre Gesundheit, aber das weiß man nicht so genau, ob das jetzt davon ist oder nicht. Je pense c'est toujours une question de quantité, a priori. Alors, qu'est-ce qu'il écrit là? Ist eine 100% nicotin- und tabakfreie Kräutermischung. Die sorgfältig zusammengestellte Mischung aus Eibisch und Königskerze und Himbeere weist eine zarte Struktur auf und entwickelt ein außergewöhnlich harmonisch leichtes Raucherlebnis. Also, ah ja, und hier unten steht es dann Eisbisch, was immer das auch heißen mag. Pas, Himbeere et Königskerze. Bon, je vais regarder un peu qu'est-ce que c'est et les vertus, voir est-ce que les vertus sont encore quand c'est brûlé ou s'il faut opter peut-être pour un autre appareil, je pense là à c'est ce qui est à la mode un peu, c'est le IQ Plus, où on a un appareil et on met un tube, hein, un petit tube de cette taille-là. Il a un petit filtre, un peu de tabac, et à l'intérieur, il a une feuille de métal. Et la feuille de métal est chauffée, hein, et par induction. Hein, il n'y a pas de câble, on peut envoyer l'énergie sans câble. Oui, on n'a pas besoin des câbles. Hein. C'est comme moi, je peux aussi envoyer une énergie. Hein, ça peut aller. Oui, c'est j'avais toujours dit quand on a installé dans des cages d'escalier, hein, parfois quand il manque un va-et-vient, hein, ça veut dire il n'y a peut-être pas de liaison les navettes, hein, qui vont de haut jusqu'en bas. Et c'est chiant, hein, c'est parce que tu veux allumer là en bas et en haut. Hein. Alors après il y a la version télérupteur, mais c'est plutôt quand on veut travailler sans une électronique supplémentaire, c'est mieux d'installer la navette. Hein. On devrait faire une saignée partout et faire tous les travaux uniquement pour ça. Et, ben, là, en général, je dis non, 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 c'est pas le bon plan. Prenez quelque chose qui fonctionne avec, avec une fréquence, hein, et qui communique entre eux et c'est assez fiable et
quand on achète un bon matériel, ça dure assez longtemps. Certes, la programmation peut se défaire, hein, mais bon, là, il n'y a pas une programmation compliquée. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oui, bon, je crois que l'atelier cuisine, je n'ai pas encore commencé parce que on voit, ça prend quand même pas mal de temps, hein? Je vais voir, je vais regarder dans ce livre qu'est-ce qu'il propose. Je vais essayer de faire une soupe, hein? Et la dernière fois, la soupe que j'avais faite, selon la recette, c'était quoi? Une pomme? Non, pas une pomme. Ah, je pourrais mettre ça aussi. C'était de noix de la graisse de coco, plus une petite tranche d'un potiron. Hein, j'avais ouais, et un oignon, je crois. Ouais. Et tout le reste, c'était des herbes, et je aussi un peu des herbes qui ont tous la même couleur. Hein. Et les mêmes couleurs, parce que parfois, quand on a quelque chose qui est rouge, on mélange avec un moringa pulpa ou basilic, parfois on peut, mais souvent c'est bien de rester un peu dans les codes couleurs. Hein. Sinon, oui. C'est une question de harmonie au niveau des aromates. Ouais. C'est comme il y a une harmonie au niveau des notes, hein, quand on joue. Hein. Il y a cela, pas l'autre, et après c'est cela, et c'est ce qu'on appelle un accord. Hein. Il faut être en accord. Hein. Et c'est pareil. Hein. Avec le parfum, hein, qu'on met à une soupe est vachement important. Hein. Quand on est capable quand on le mange, d'avoir tous les saveurs, je crois que c'est comme dans le film avec Louis de Funès, hein, où il a goûté, et alors là, c'est une pincée de poivre rouge, hein, ou une cuillère de moutarde, il y a dedans. Hein, il y a des gens qui sont capables de développer ça, et ça demande un certain entraînement. Et le mieux, c'est faire d'abord table rase, hein, et après le reconstruire, hein, pour mémoriser avec quelle saveur va avec quelle sensation. Ouais. Je ne sais pas combien de temps ça prend, mais ouais, c'est peut-être une bonne idée. Je vais essayer de expérimenter un peu ça. Hein. Si j'arrive à modifier ma capacité de savoir qu'est-ce que je mange là. Ouais, je crois que c'était. Regarde autour. Hein. Oui, le rangement, je peux encore. Il faut que j'organise encore une marche pour demain, et j'aimerais bien marcher en forêt, comme j'ai l'habitude le dimanche. À voir. Ou aller à la messe, Non, je vais jamais. Hein. Parce que la question de la religion, pour moi, c'est une chose un peu particulière. Je suis religieux. Hein. Je suis baptisé, et pendant très très longtemps, je n'ai pas cru. Hein.
J'étais pas un croyant, hein, je dis, ouais, on va à l'église. Hein. parce que sinon, les voisins, qu'est-ce qu'ils vont dire hein, quand tu n'y vas pas hein. C'est quelque chose de. Oui. Si un Dieu existe ou pas, pour moi, oui. C'est un peu lui qui chapeaute l'ensemble de notre grand cinéma. Hein. C'est comme ça que je vois la chose. Comme Shakespeare a dit, le monde est un cinéma. Le monde est un cinéma. Et nous sommes les acteurs et les réalisateurs en même temps. Et c'est là où il y a la magie dans tout ça. Hein. On a la capacité de participer à notre film. Sauf si on se met dans le rôle du victime. Peut-être on a envie de jouer ce rôle. Hein? Pourquoi pas? Hein? Mais qui veut ça réellement? Je pense pas. Non. Alors, à partir de là, on a le pouvoir de création, hein, c'est avec la pensée. Hein, ça demande un peu de maîtrise, c'est clair. Mais il y a la littérature sur ça. Et il faut écouter un peu les conseils que les gens donnent. On regarde, tiens, qui a réussi, qui débute. Ouais. Alors, après. On peut manifester. Pas mal, hein? Je trouve ça. Aïe, aïe, aïe. Exploitez la puissance de votre subconscient. Hein? Ce livre-là des années 60. Docteur Joseph Murphy. Toujours l'entraînement à lire à l'envers. Ça a créé des no nouveaux systèmes neuronaux. Hein. Des choses qu'on a l'habitude de faire avec la main droite, on essaye de faire la même chose avec la main gauche. Hein. Ce sont des petits exercices. Observation et après, bon, faut acheter un peu une littérature dans ce style-là pour commencer un peu à se familiarisé. Je regarde où il y a l'autre. Ah oui, parce que ça c'est peut-être un livre que la plupart des gens connaissent. Je le mets encore une fois. Hop. Ah, il y a un post-it. Hein. Alors, la clé du secret de Daniel Sévigny. Quand on prend un livre, c'est toujours bien. On lit d'abord le titre et après derrière. Hein. Et idéalement, c'est avant de commencer, de faire une petite recherche de l'auteur. C'est comme ça, on sait déjà un peu vers où le voyage va. Hein. Il n'y a pas tous les livres qui disent la vérité. On regarde juste ce qu'il a fait sans dire oh, c'est un méchant ou un bon, non, c'est on s'informe. Après, on écoute d'abord avant de juger que non, c'est cela, c'est une connerie ou un machin. Je regarde dans le fact-checker hein, et qu'est-ce qu'ils disent, et après, c'est quelqu'un qui a 25 ans.
qui travaille pour ça, parce qu'on lui a dit, tiens, tu fais ce job, qui décide avec deux, trois phrases, ah bah ça c'est juste, ça c'est pas juste, hein, c'est pas un fact-checker, sinon c'est un fact-checker, hein, c'est à nous de vérifier, hein. C'est un peu de boulot, mais c'est à nous. Hein. En ce moment, c'est plus nécessaire qu'avant, je pense. Hein, c'est la confiance dans les médias en général a un peu chuté. Quel hasard. Mais bon, c'est ça. Mais bon, ça rentre après un peu trop loin, je trouve. C'est Oui. Qu'est-ce que je voulais dire avec ce livre-là? Les clés du secret. Ah, ben, je vais lire peut-être quand même pour les gens qui ne connaissent pas, parce que sinon, on va éteindre et on ne sait pas de quoi il s'agit. À part qu'on prend un téléphone ou un ordi et on fait une recherche, ou on le connaît, tout simplement. Le best-seller mondial, Le secret, a expliqué la loi de l'attraction, éprouvée par de nombreux témoignages qu'elle est vraie et efficace. Tout ce qui se vit à l'intérieur se reflète à l'extérieur. C'est là que commence la loi de l'attraction. Quand on fait quelque chose et c'est un peu moins bien, parfois il faut penser à ça. Il a toujours un retour. Et même s'il n'est pas immédiat, mais il sera. Pour que votre taux vibratoire soit à son maximum, il faut gérer vos pensées afin d'augmenter la matière énergétique. Ouais. Ça, c'est une phrase importante. Il faut gérer les pensées. Je pense les dernières années, surtout les dernières 3 années, m'ont servi à gérer mes pensées. J'avais 3 à la totale, je pense. Hein. C'est beaucoup de complications, énormément même, jusqu'à un moment, je me dis, pourquoi? Il y avait un peu des agressions et ça m'a mis dans un état où j'ai perdu toute mon énergie. Hein. Et pourtant, en arrivant, j'étais plutôt bien. Hein. Et là, à cause des attaques, ouais, il y avait deux tailles. Hein, hein. Au début, je me dis, oh, tiens, aucun problème, je gère. Hein, ça me fait rien. Et petit à petit, j'ai remarqué, c'est non, ouais, tout d'un coup là. Et plus des effets de paranoïa et tout ce qui peut se développer par la suite. Hein, après, on ne peut plus voir entre réel et possible. Hein. Mais ça, c'est l'art de l'infiltration dans la pensée. Hein. C'est une certaine technique, hein, comment on peut pénétrer dans la pensée de quelqu'un d'autre. Hein. Les pervers narcissiques maîtrisent ce jeu à différents niveaux. Il a des bons, quoi des bons, des doués, sont en règle générale des gens assez intelligents. Hein. Et il joue avec toi. Moi, pendant un moment, bah, j'ai joué avec. Hein, c'est parce que je croyais que je sais le jeu, alors du coup, je ne me laisse pas embarquer.
Je me suis trompé, hein, je me suis laissé embarquer, hein, parce qu'effectivement, il y avait des crises d'angoisse après et tout tralala. Mais, avec du recul aujourd'hui, hein, ouais, je me dis, ah ben merci, et eux, ils appellent ça l'univers, que le pervers narcissique, il était là et il t'a poussé, et il a regardé sur ton point faible. Hein. Il t'a chopé sur ton point faible. Hein. Et il t'a mis en confrontation, hein, et avec toutes les conséquences. Hein. Et quand tu l'as vécu, ça, hein, et ça, c'est un peu la raison pourquoi on est là, hein, en tant que humain. Hein. On veut faire des expériences dans notre théâtre. Ouais. Et on peut choisir la manière comment on fait l'expérience. À quel moment on s'est décidé? Ich weiß es nicht. Mais c'est un peu comme dans le film Total Recall, peut-être, avant d'envoyer la bête. Hein. Et après, on fait le programme jusqu'à la fin. Hein. On a payé. J'adore ce film. Les deux sont bien. Le Total Recall avec Arnold Schwarzenegger et l'autre avec. Je connais plus les acteurs, mais c'est plus récent, mais c'est aussi bien fait. Ils ont un peu comment dire, des références pour comprendre un peu comment notre monde fonctionne. Matrix, c'est aussi plus un film à initiant. On le regarde une première fois, on trouve ça bizarre, ouais, machin. Mais on l'a pas réellement compris. Hein. Ça vient plus tard. Hein. Et après, une fois quand on a enclenché ça, c'est qu'est-ce qu'il suit après? Ben, on fait ces expériences. Et à partir de là, on peut dire, tiens, ah non, non, je voulais dire une autre chose. C'était, quand on regarde des films, il y a énormément, énormément de films. Il y a, on nous montre un peu, d'une manière cachée, notre film. Est-ce que ça nous influence et pour nous amener vers une certaine future qu'on ne veut peut-être pas, hein, mais au moment où on me le montre, je connais l'image et je peux imaginer ça. Ouais. Alors, on montre par exemple la fin du monde, hein, un bon thriller ou quelque chose et boum, des bombes et tout, ouais. Et avec un héros dedans et grand cinéma, pourquoi pas, hein. Mais non, quand il y a, je ne sais pas, 100 millions personnes qui ont regardé, ou 1 milliard, on s'en fout. Non, on s'en fout pas. Le nombre joue. Parce que chacun émet une certaine façon de penser et participe à l'ensemble. Hein. Chaque petite pensée fait modifie d'une manière ou l'autre une onde, oui. C'est pas un onde. Hein. J'avais travaillé un peu avec des pendules, hein, et aussi un portique devant mon poêle à bois, ouais, j'ai accroché différentes choses qui fonctionnent comme pendules. Ouais. Alors là, maintenant, différents poids, différentes longueurs. Et différents axes. Ouais. Après, j'ai regardé, tiens, je commence par exemple avec cette vibration, non uniquement une vibration là, comme ça. Hein. Et l'autre, le pendule, après, en fonction du poids, hein, il commence à faire sa propre vibration. Mais chacun est influencé par l'autre. Hein. C'est cela. Et inverse, le petit, quand on modifie un tout petit peu le petit,
Ah ben, il se percute après d'une manière ou l'autre sur le grand système et il peut modifier même le grand. Et là, ça devient intéressant. Ça veut dire, faut jamais penser qu'on est trop petit avec ma petite pensée. Ben non, c'est la petite pensée bien nourrie, ah ben, elle fera son chemin. Alors, et c'est aujourd'hui, je pense, notre devoir d'être cette petite bonne vague, ouais, avec plus d'humanité, plus de.